Et de le mal faire ce qui est bien.
Deuxième livre de Samuel. Le peuple sortit dans la campagne à la rencontre d'Israël, et la bataille eut lieu dans la forêt d'Éphraïm. Là, le peuple d'Israël fut battu devant les serviteurs de David. Il y eut beaucoup de pertes ce jour-là, 20 000 hommes. Le combat s'éparpilla sur toute l'étendue du pays. Ce jour-là, la forêt dévora plus de gens parmi le peuple que n'en dévora l'épée. Absalom se trouva par hasard face aux serviteurs de David. Absalom montait un mulet, et le mulet s'engagea sous la ramure enchevêtrée d'un grand térébinthe. La tête d'Absalom se prit dans le térébinthe et il se trouva entre ciel et terre, tandis que le mulet qui était sous lui passait outre. Un homme le vit et rapporta la nouvelle à Joab. « J'ai vu Absalom suspendu à un térébinthe. » Joab dit à son informateur, « Ainsi tu l'as vu, mais pourquoi ne l'as-tu pas frappé et abattu sur place? Je te devrais alors 10 cycles d'argent et une ceinture. » L'homme dit à Joab, « Et même si je soupesais maintenant dans mes mains 1000 cycles d'argent, je ne porterais pas la main sur le fils du roi, car c'est à nos oreilles que le roi t'a donné cet ordre, ainsi qu'à Abishai et à Ittai. Prenez garde que nul ne touche au jeune Absalom. D'ailleurs, si j'avais commis cette forfaiture contre sa vie,
rien n'échappe au roi, et toi-même, tu te serais tenu à l'écart. » Joab dit, « Je ne vais pas attendre ainsi devant toi. » Il prit donc en main 3 épieux et les planta dans le cœur d'Absalom, encore vivant, au milieu du térébinthe. Puis 10 jeunes gens, les écuyers de Joab, entourèrent Absalom et le frappèrent à mort. Joab sonna du cor, et le peuple cessa de poursuivre Israël, car Joab retint le peuple. On prit Absalom et on le jeta dans la forêt, dans une grande fosse, et l'on érigea dessus un énorme tas de pierres. Tout Israël s'était enfui, chacun à ses tentes. David était assis entre les 2 portes. Le guetteur se rendit à la terrasse de la porte au rempart. Il leva les yeux et vit un homme qui courait seul. Le guetteur cria pour en informer le roi. Le roi dit, « S'il est seul, c'est qu'il a une bonne nouvelle à annoncer. » Tandis que l'homme se rapprochait, le guetteur en vit accourir un autre. Il cria au portier, « Voici un homme qui court seul. » Le roi dit, « Celui-là aussi apporte une bonne nouvelle. » Le guetteur dit, « Je reconnais la façon de courir du premier, c'est celle d'Ahimaas, fils de Sadoc. » Le roi dit, « C'est un homme de bien. Il vient pour une très bonne nouvelle. » Ahimaas cria et dit au roi, « Tout va bien. » Il se prosterna face contre terre devant le roi et dit, « Béni soit le Seigneur ton Dieu, qui a livré les hommes qui s'étaient insurgés contre mon seigneur le roi. » Le roi dit, « Tout va bien pour le jeune Absalom ?» Ahimaas dit, « J'ai vu qu'on s'agitait beaucoup quand Joab a envoyé un serviteur du roi et ton serviteur, mais je ne sais pas pourquoi. » Le roi dit, « Écarte-toi et tiens-toi là. » Il s'écarta et resta là. Alors le Cushite arriva. Le Cushite dit, « Que mon seigneur le roi apprenne la bonne nouvelle. Le Seigneur t'a rendu justice aujourd'hui en te tirant des mains de tous tes adversaires. » Le roi dit au Cushite, « Tout va-t-il bien pour le jeune Absalom ?» Le Cushite répondit, « Qu'ils aient le sort de ce jeune homme, les ennemis de mon seigneur le roi et tous les adversaires qui veulent ton malheur. » Alors le roi frémit. Il monta dans la chambre au-dessus de la porte et il se mit à pleurer. Il disait en marchant, « Mon fils Absalom, mon fils Absalom, que ne suis-je mort moi-même à ta place, Absalom, mon fils, mon fils. » On prévint Joab. « Voici, lui dit-on, que le roi pleure et se lamente sur Absalom. » La victoire, ce jour-là, se changea en deuil pour tout le peuple, car le peuple avait entendu dire en ce jour-là, « Le roi est très affecté à cause de son fils. » Le peuple, ce jour-là, rentra furtivement dans la ville, comme le ferait un peuple honteux d'avoir fui au combat. Le roi, lui, s'était voilé le visage. Le roi criait à pleine voix, « Mon fils Absalom, Absalom, mon fils, mon fils. »
Homélie de Pie XII pour la canonisation de Sainte Maria Goretti. Tout le monde connaît la lutte très dure que cette Vierge désarmée dut affronter. Un assaut violent et aveugle se déchaîna brusquement pour souiller et violer sa pureté angélique. Mais dans cette terrible épreuve, l'enfant pouvait redire au divin Rédempteur ces paroles d'un livre précieux, l'Imitation de Jésus-Christ. « Si je suis éprouvé et meurtri par les afflictions, je ne craindrai aucun mal, pourvu que ta grâce soit avec moi. » C'est elle qui est ma force, c'est elle qui me donne conseil et secours. Elle est plus forte que tous les ennemis. C'est pourquoi, soutenue par la grâce céleste, à laquelle répondait sa volonté noble et courageuse, elle sacrifia sa vie, mais elle ne perdit pas la gloire de la virginité. Dans l'existence de cet humble enfant que nous avons esquissé à grands traits, on peut voir ce qui est non seulement digne du ciel, mais digne aussi d'être regardé avec admiration et respect par notre époque. Que les prêtres et mères, que les pères et mères de famille apprennent combien ils doivent élever les enfants que Dieu leur a donnés dans la droiture, la sainteté et le courage, et les former à suivre les préceptes de vie du catholicisme. Ainsi, lorsque leur vertu sera mise en péril, ils pourront, aidés par la grâce divine, sortir du combat victorieux, sans blessure et sans souillure. Que l'enfance joyeuse et la jeunesse ardente apprennent à ne pas s'abandonner misérablement aux joies éphémères et vides du plaisir, à l'attirance fascinante du vice. Qu'elles apprennent plutôt à rechercher avec enthousiasme, même avec effort et à travers les obstacles, la perfection morale du chrétien. Nous pouvons tous l'atteindre un jour par l'énergie de la volonté soutenue par les grâces de Dieu en pratiquant l'effort, le travail et la prière. Assurément, nous ne sommes pas tous appelés
à subir le martyre, mais nous sommes tous appelés à posséder la vertu chrétienne. Mais la vertu exige de l'énergie. Sans atteindre le même sommet de courage que cette jeune fille, Angélique, elle réclame néanmoins de notre part une activité persévérante, attentive, qui ne devait jamais se relâcher jusqu'à la fin de notre vie. C'est pourquoi on peut parler d'un martyre lent et prolongé, auquel nous incite cette affirmation divine de Jésus-Christ. Le royaume des cieux souffre violence, et ce sont les violents qui s'en emparent. Tendons tous vers ce but, soutenus par la grâce. Que Sainte Maria Goretti, Vierge et Martyre, nous en persuade, du ciel où elle jouit de l'éternelle béatitude, qu'elle nous l'obtienne du divin Rédempteur par son intercession. Tous, alors, chacun selon ses conditions de vie, nous suivrons le même chemin glorieux avec détermination et réalisme. Thank you.
Je te rends grâce.
cantique des cantiques. Les torrents ne peuvent éteindre l'amour, les fleuves ne l'emporteront pas. Si quelqu'un offrait toutes les richesses de sa maison pour acheter l'amour, tout ce qu'il obtiendrait, c'est un profond mépris. Et toi, petit enfant, Dieu
toi que les saints de Dieu ont aimé d'un unique amour, fais que rien ne nous sépare de toi. Marie ta mère, par son intercession, purifie nos cœurs. Jésus, toi, écoute-nous. À la prière des saintes femmes qui t'ont suivi de tout leur cœur, accorde-nous de marcher le cœur libre à travers ce monde qui passe. Jésus, toi, venez, Vierge, écoute-nous. Toi, l'époux que les vierges sages ont su attendre, donne-nous un cœur vigilant, prompt à te reconnaître. Intercession de Sainte Maria Goretti, fais-nous brûler d'amour en ta présence. Jésus, toi, le Vierge, écoute-nous. Par Notre-Dame de Pontmain, comble de tes bénédictions, notre évêque Thierry Scherrer, au jour anniversaire de son ordination épiscopale, et bénis les jeunes et tous les participants au pèlerinage diocésain en VTT. Jésus. Amen. Le Seigneur
Notre-Dame.